Asseyez-vous. Je suis à vous tout de suite. Suite aux analyses lundi, un diagnostic d'état de stress post-traumatique a été établi. Un traitement médicamenteux est prescrit, accompagné de TCC et de séances de thérapie crânio-sacrale. Veuillez m'excuser, monsieur Bond. Je me présente, Dr. Madeleine Swann. Notre objectif aujourd'hui sera d'estimer vos besoins, tant psychologiques que physiques. Un jeu d'enfant, je dirais. J'espère que la vue ne vous dérange pas. Elle en déconcentre certains. Je ne l'avais pas remarqué. Je vois que vous avez rempli la plupart des rubriques. Il reste quelques questions pour compléter votre évaluation, si vous le permettez. Faites-vous de l'exercice? Contraint et forcé. Diriez-vous que votre profession est source de stress pour vous? Oui, ça peut arriver. Quelle est votre consommation d'alcool? Abondante. Question d'ordre général. Est-ce qu'enfant vous étiez proche de vos parents? Ils sont morts quand j'étais encore jeune. Ah oui, quel âge? À l'âge où on peut se souvenir. Comment, si je peux me permettre? Accident d'alpinisme. Qui vous a élevé ensuite? Une tierce personne. À moi maintenant. Comment une diplômée d'Oxford et de la Sorbonne, ex-consultante qui a passé 2 ans chez Médecins Sans Frontières, a-t-elle échoué ici? Pardonnez-moi, mais on est tenté de penser que vous vous cachez. Votre consultation vous coûte très cher, monsieur Bond. Alors qui pose les questions? Vous ou moi? Oui, pardonnez-moi. Continuez. Vous avez laissé cette dernière question. Quel est votre métier? Eh bien, c'est le genre de chose qui fait tache sur un formulaire. Pourquoi ça? Je suis tueur de métier. Le monde est petit, hein? Où est-il? Votre père est mort. Il y a 2 jours. Qu'en savez-vous? J'étais présent. Vous l'avez tué? Cela n'a pas été nécessaire. Il s'est supprimé lui-même. Et vous avez fait tout ce chemin pour m'annoncer ça? Que mon père est mort? Je suis venu vous dire que vos jours sont en danger et que j'ai besoin de vous. Pourquoi? Je dois vous protéger. J'ai passé un marché avec lui. Vous mentez. Pourquoi vous aurait-il fait confiance? Parce qu'il savait que j'avais besoin d'une contrepartie. De quelle contrepartie? Trouver l'Américain. Cet entretien est terminé. Docteur Swann, je... Vous avez 10 minutes pour quitter ce bâtiment. Sinon, j'appelle la sécurité. Merci, Docteur Swann. Je vous sers quelque chose, monsieur? Vodka martini, au shaker, pas à la cuillère. Je suis navré, nous ne servons pas d'alcool. Je commence vraiment à adorer cet endroit. Il va prendre le shake digestif aux enzymes protéoleptiques. Tout de suite. Si c'est la voiture que vous voulez, je l'ai garée au fond du Tibre. Oh, ne culpabilisez pas, ce n'était jamais qu'un prototype de 3 millions de livres sterling. Que faites-vous ici, Q? Pour tout dire, j'avais besoin de déconnecter un peu. Cela devenait un brin stressant au bureau. Avec l'équipe de C qui nous fourre son nez partout, et puis M qui veut pendre mes boules dans son sapin de Noël. Venez-en au fait. Le fait est, 007, que Franz Oberhauser est mort. Il est 6 pieds sous terre. Alors rentrez tout de suite avec moi, sinon ma carrière et celle de Money Penny subiront le même sort. Allez-vous comprendre, ça se déchaîne comme jamais au pays, et vous êtes là. Je l'ai vu. Vous croyez l'avoir vu. On a épluché les archives. Il a été enseveli sous une avalanche avec son père il y a 20 ans. Oui, je sais tout ça, mais je l'ai vu et bien vu. Aucun risque que j'oublie son visage. Ok. Vous avez une piste? J'ai un nom, oui. L'Américain. C'est sûr que ça réduit le champ de recherche. Navré 007, mais votre temps est écoulé. Ma carrière entière est en jeu. Rentrer au pays et passer par les voies normales, ou j'en réfère directement à M. J'ai une dernière chose à vous demander. Et je vous libère. Voyez ce que vous pouvez tirer de ça. Si vous saviez comme je vous déteste, là. C'est gentil, Q. Monsieur? Oui, j'arrive, c'est bon. Vous êtes à quel hôtel? Au Pesner, chambre 12. Dans 1 heure. Voilà, monsieur. Votre chèque digestif aux enzymes protéolytiques.
Vous voulez me rendre un service? Jetez ça directement dans les toilettes. Pourtant, sauter une étape.